Bonjour à tous, c'est Vako. Alors après avoir consacré plusieurs épisodes à l'accomplissement des différentes tâches des gardiens, qui ont permis d'en comprendre un petit peu plus sur le lore, on va se reconcentrer à partir maintenant sur la quête principale. Notre objectif prioritaire est désormais et de nouveau de mettre fin aux agissements des jumeaux Calypso. Deux fois. Bon, peut-être pas deux, pas trop de couloirs, quoi. Mon arme, putain d'enculé! Elle est où? C'est ma faute! Et la sienne aussi! Enfin, bref, le vaisseau était niqué! La radio était niquée! Et nous aussi! Putain, les petits enculés! Je l'ai déjà dit, je crois! Leda était super maline et douée avec un fouet! Ce qui nous a bien servi pour notre lune de miel! Mais c'est quand on a ouvert l'arche que l'action a vraiment commencé! Comme des skags en rut! Bah alors, c'est fou! Ouvre les yeux, sérieusement, quoi. Narsef. Narsef. Bah, ouvre les yeux. J'étais pas le très vert, alors. Bah, je sais, t'as... Là, j'ai un... Mal regardé. J'ai un claptrap, ici. Il ressemble à quoi? Oh, c'est gore. À du BDSM. Au feu, ouais, ou sacrifié. Vas-y, bah, à toi, l'honneur. Là, je t'avais dit que c'était du BDSM. Tiens, attends, on va juste essayer de nettoyer un peu la carte au fur et à mesure qu'on avance, ça nous évitera de revenir 20 fois. Je sais même pas sur quoi me tirer. Ouais, bon, rouge qui apparaît sur la carte. La mini-carte. Ouais, ouais, c'est, franchement, c'est ce qui apparaît en rouge devant. Tu sais qu'en fait, je tire dans la même direction que vous en me disant, bah, on va bien voir si je touche un truc, quoi. En fait, ils sont trop petits, je les vois pas avec la végétation. En fait, c'est de la merde, il se suicide. Il se suicide sur tes bombes de munitions. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Putain, on dirait pas un maudit de poser par terre. Pareil, tu sais, la zone, quand tu vois les statues comme ça, le vaisseau de Maliwan, la grande tour devant nous, bah c'est cool, quoi, en vrai.
Ouais, l'ambiance est sympa, c'est toujours pareil, l'ambiance est sympa. Ouais, il y a le reste. Bon, vu la difficulté des ennemis, je vous laisse tuer un petit peu, j'en profite pour... Oh, explore, histoire. J'ai un point rouge, je sais pas où il est le bordel. Le temple est droit devant. Les gars de Maliwan tiennent vraiment à cette arche. Je me demande s'ils savent que je l'ai déjà ouverte il y a longtemps. Oh, Triton Pringle. Tiens, regardez, on peut juste checker le pont là. Ça, pareil, sera complété. Oh, j'ai du renfort. Enfin, il y a toute une zone hein, derrière. Et une petite déconnexion intempestive plus tard. Pas un générateur à péter pour ouvrir la porte jaune, justement. Attends. Ah, bah si, on va si. Le câble là, il faut suivre les câbles. Bah justement, c'est ça le truc. Un fil ici. Hop. Bah non, le fil il s'arrête là. Et si on descend en bas, il y a un problème. Est-ce que je meurs si je fais ça? Ah mais j'ai pas vu que le fil descendait en bas d'où j'étais. Hop, et voilà, j'y suis. GG. Putain, on est rouillé parce qu'en fait c'était déjà comme ça dans les anciennes zones quoi. Eh regarde. T'imagines si les deux méchants c'est vraiment les enfants de l'autre connard là, de Typhon. C'est-à-dire que tu sais, genre dans le prochain Borderlands, ce sera peut-être le beau-frère, le cousin du beau-frère. Donc de la tante. Putain de famille de Ch'timi quoi, tu vois. Merde. Oh sérieux. T'es tombé? Ouais. J'ai glitché à travers la passerelle, je suis heureux. Il était la barrière là, je m'en rappelle plus. Hop là. Petit trou du cul. Okay, toi le bombardement. Il y a une autre zone là-bas, hein. D'accord. D'accord,
Bonjour. Bonjour, je suis un monsieur. Hein? Voilà, petit coffre pour nous. Ah, salonard, c'est tellement rapide. Des prix de perso. Avec sa petite poussage, ils sont grands. Ça va, DVD. Ça va être un boss, ça, non? Oui. C'est des missions. Non, mais je sais pas, j'ai pas compris qui on a affronté. Je pense que des mecs sur lesquels il y avait de l'incrime. Ce que je me suis dit, c'est Sylvestre. Oh, ça sympa, ça, venez voir. C'est joli, je trouve, ce motif là. Du tout. Ah. C'est joli comme ça. Hmm. Non, je me suis dit, c'est est-ce que Sylvestro, c'est Sylvester Stallone? Alors, est-ce que les noms des autres mecs auraient été toi, d'autres trucs stylés ou pas du tout? Alors là. Non, je suis trop. Après, il y a peut-être un autre chemin, hein. Là, tu peux monter. Là, on est d'accord, tu peux monter. Non, pas. Pas. Vous trouvez pas quand vous êtes là? Déjà dehors, on dirait vraiment Dune, l'univers de Herbert. Et vous trouvez pas qu'ils ont vachement progressé sur la gestion de leur fond? Ouais. Et deux, c'est magnifique. Bah en fait, j'ai que l'envie là, c'est de sauter puis d'aller explorer tout ça, tu vois. D'aller jusqu'aux pyramides, c'est pas ouais, des pyramides. Ouais, franchement, ouais. Et ça, c'est un truc que tu vois, j'ai plus ressenti depuis Fallout. Donc, autant vous dire, depuis même Fallout 3, j'ai envie de dire. Parce que même New Vegas, si j'adorais, j'avais plus déjà ça. Mais vraiment, ce sentiment que j'ai eu la première fois où j'ai fait Fallout 3, où j'étais là en mode Oh putain, il y a une tour là-bas à l'horizon. Oh, il y a un machin à l'horizon. Est-ce que je peux y aller? Oh, peut-être pas, c'est peut-être hors map. Et puis en fait, tu traverses, tu passes par-dessus la colline, tu traverses la forêt et bing, t'y es quoi. Bah, ça, c'était tout l'intérêt des Dark Souls d'ailleurs. Tout ce que tu vois, tu peux y aller. Ouais, mais je suis pas un genre de Dark Souls, moi. J'ai deux mains gauches. Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai deux mains gauches, donc à un moment, faut accepter son handicap. Hein. Les FPS, c'est facile, donc tu vois, je m'en sors, mais les jeux comme Dark Souls, c'est dur. Non, ça va. Oui, mais regarde. C'est un jeu de rythme. Oui, mais toi, tu sais pas jouer aux FPS, donc t'es bon à ça. Ouais, c'est pas fou, ouais. Alors que moi, je suis bon au FPS. Enfin, je suis bon, je suis correct au FPS. Et par contre, Dark Souls, c'est trop dur pour moi. Justement, j'ai aucun sens du rythme. C'est une catastrophe. Mec, tu me mets avec un tambourin, ça déclenche une guerre mondiale, quoi. Les mecs sont là, ils disent, tiens, il y a des fréquences bizarres. C'est pas de la musique, on dirait un code secret, tu vois. Ah, c'est pas faux, là. C'est tout l'endroit. Mais tu vas devoir prendre l'ascenseur pour accéder à l'arche. Donc, tu peux commencer par coller une raclée à ce crétin. Sympa, le petit côté... Le petit côté site archéologique et tout... Le rendu est sympa, hein. Ouais. Ouais, mais là, oui, là on l'a déjà vu. Là, de toute façon, le truc pété, je crois que c'est nous qui l'avions fait. Le truc pété, c'est nous qui l'avions fait. Ouais, t'as pas vu, il y avait une bâton dynamite et tout. Je suis quasiment sûr que c'est nous, ça. Et la zone me dit clairement quelque chose, hein. Ma narbe, putain de merde. On va dire que c'est le rouge à lèvres sur qu'elle m'a embrassé sur les mains, Maxi. Elle tombe sous quelles conditions, ton arme? Je sais pas. Ah, c'est aléatoire. C'est complètement aléatoire parce que. Je sais pas ce qu'on vous colle dans le biberon. Tu vas pouvoir prendre l'ascenseur jusqu'à l'arche. Je sais le faire marcher. Ouais, ben voilà le problème.
Il manque deux cristaux à l'ascenseur. Tout marche avec des cristaux par ici. Oh, tiens, t'en as un là-bas. C'est complètement aléatoire parce que des fois je tire au moment de recharge. C'est au moment où je recharge que l'arme me glisse des mains. Vas-y, mets-le dans les mains de la statue, comme une offrande. Alors juste ma question, c'est est-ce qu'il y a des machines pour vendre les merdes? Non, sinon tu les verras apparaître sur les cartes. Attends, je vais être trop con, attends, c'est quelle statue? Ah putain, c'est... my bad, non, je suis passé à côté, j'ai complètement passé à côté, my bad. Super, mais je me demande où est le deuxième cristal. Allô, le commandement? J'ai localisé le dernier cristal. Général Grant, vous me recevez? Est-ce que je dois continuer vers l'arche ou... Oh merde! Mais ça sert de l'arche! Oh! Ah! Bon, l'autre cristal, offre-le à cette statue! Oh, il y a un beau pistolet là! Il est pour vous! Narcef, il est pour toi! Oh, merci! Bah, c'est un beau pistolet légendaire en plus, tu peux y aller. Oui. Le mec, on l'a quand même tué. Il avait même pas fini son entrée, quoi. C'est... Oh. C'est tristoun. Oh, mais celui-là, regarde. Qu'est-ce qu'il fait, vas-y. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, regarde le flingue. C'est lui, là? Ouais, je viens de le jeter. Ah, ton petit flingue rikiki, il fait une méga tourelle de l'enfer. Ouais, bah regarde, tu tires, hop, je recharge. Tu vas mourir. Oh, puis la première elle disparaît pas. Non, c'est bien ce truc là. J'avoue. La statue. Hop, c'est ici, je l'amène. Et elle reste un moment. Toujours rien. Ah oui, il faut que tu alignes les statues. Maliwan a installé une sorte d'appareil pour les tourner. Et... Ah oh bah, d'accord. Alors les gars, c'était ultra dur, j'ai dû appuyer sur E. Oh, les oh merde, ça va C'est l'ascenseur pour atteindre l'arche. Ça fait un moment que personne n'est entré là-dedans. Bah écoute, Vako, je pense que t'es bon pour venir faire avec moi une petite session de Riven ou de Myst. Oh là là, oh bah oui, carrément. Viens ou pas? Ah bah non, en fait, je pensais que l'ascenseur il allait plonger vers le sol, donc je voulais sauter. Moi aussi. On a aussi fait la chose dans l'ascenseur. Fais gaffe où tu mets les pieds. Ha. Alors, non, c'est te voilà sur un écran de Feyo. Bravo pour ta lenteur. T'as toujours un train de retard, toi, pas vrai? Tout ce qui reste sur cette planète, c'est de la poussière et des démons. Crois-moi. Grouille-toi, chasseur de l'arche. La clé est un peu plus loin. Tu perds ton temps. Le destructeur sera bientôt là et quand je l'aurai aspiré, je deviendrai une déesse. Je sais que tu m'écoutes, papa. Est-ce que t'es fier de ta petite fille? Kairine? Ma chérie? Pardon? Tu comptais pas leur dire, c'est ça, papa? Oups! Eh ben, mon petit rapace, devine qui nous a appris tout ce qu'il fallait pour pouvoir détruire cette galaxie petit bout par petit bout. Typhon de Léon, le premier chasseur de l'arche. Ah, et au fait, papa, Troy est mort, tué par le rapace. Alors, amusez-vous bien. Chasseur de l'arche, les gardiens savent que t'es là. Repousse-les. On se parle plus tard.